見つけた。Oh, encore un? Lui, c'est la voix d'Inata en plus, le gamin. Easy, il a coupé dedans tranquille. Il se bat avec ça depuis tout à l'heure en plus, c'est pour ça. Tanjiro-kun ni tanomarete itan desu yo. Anata no katana no koto wo. Soshite, anata wo wakatte yatte hoshii to. Tanjiro. Tanjiro ga. Il aime bien Tanjiro lui hein, il intrigue, ça lui rappelle des trucs. Ano koya desu. Hein? Yokatta. Sakana no bakemono wa inai. Aïe, aïe, attention. Dame da. Eh? Nan suka? Ah ouais, il le sent. C'était sûr, hein. Ce serait trop facile. Elle lune 5 là. Il a pas son sabre après, c'est ça le problème là. C'est ça qui est relou, c'est qu'il peut lâcher plein de monstres sur le village. Oh, une souris. Enfin, on la voit se battre. Wesh, mais son sabre, il est incroyable. Oh, c'est trop stylé comme elle. Ouais, elle est toute polie en plus, elle est toute gentille, ça me fume. Voilà la reine. Et son sabre, il est fou. C'est ouf d'avoir un sabre comme as. C'est trop dur à forger ça. Tu mets des coups de fouet de partout et tout, c'est trop bien. Oh, sushi. Oh, elle a coupé que les bocaux, frérot. Net. Elle a fait ça propre. Ouais, j'ai des gros plans par contre. Ça y va mieux là. Moi aussi j'ai mal à la tête. Oh. Wesh, Nezuko qui le porte. Oh. Allez Nezuko. Oh. C'est trop chiant ce pouvoir. Oh. Oh mais là ils sont dans la sauce. Ouais. Ils sont 4v2, 3v2. Aïe. Bon, attends, Jiro, le grand frère. Wesh. Oh, elle va mettre du sang sur sa lame, peut-être. Elle va lui mettre du sang sur son sabre, je pense, comme au de saison 1, non? Il parle trop vite, par contre. Ouais, elle a une idée en tête, Nezuko. Hein. Wesh, comment il marche son pouvoir? C'est quoi ce truc? Ah non, c'est tous les gens qu'il a tués. Oh. Oh l'horreur, gros! C'est encore vivant en plus, on dirait, c'est chelou! Oh. Mais gros, c'est super trash, wesh! Wesh! C'est violent! Mais oui, ils ont encore mal! Oh! Oh, tu l'as énervé! Oh, Muchiro énervé! Wesh. Oh. Putain, ça y est, de la mironne. Il peut se TP d'un pot à un autre. Ah ouais. Ah, allez hop, ta gueule. Oh. Wesh. Oh, ils sont chelous leur pouvoir, gros. Wesh. Akanezuka? Non, Muchiro? Oh! Matt, gros, aucune émotion.
Ah merde, y a du poison en plus. Non. Et ouais, c'est ça. Tu vois, il a de plus en plus de surprises, d'énervement un peu. Et ça revient à la surface de plus en plus là. Il est de moins en moins plat dans ses émotions. Ouais, ça lui revient, hein. Tiens, dans ta mère. Wesh. Gros, mais c'est quoi ces pouvoirs? Tous ces vases, ils ont des pouvoirs, on dirait. Tameda, kirenai. Onigari no saidai no buki de aru kokyu o tometa. J'avoue qu'il peut pas respirer en plus, c'est malin. Oui, voilà. 100%, c'était ça, bien sûr. Comme la saison 1. Ondo ga agatte. Kuroi katana ga akaku naru. Oh, il est rouge son sabre là. O samurai-sama no katana. Tatakau toki dake akaku naru no ne. Nanda. Ses souvenirs de son ancêtre? O samurai-sama toyu no wa ano mimikazari no kenshi no koto darou ka. Ano kenshi no katana wa shikoku datta no ka. Évidemment, il avait une lame noire aussi. C'était sûr que la lame noire elle est pas nulle. Faut juste être fort pour l'utiliser. Sono tabi ni dareka ga tasukete kureru. Allez mon gars. Inochi o tsunaide kureru. Ore wa kotae nakereba. Oh là là, ça j'aime. Parle bien, comporte-toi comme un pilier frérot. Oh. C'est pas fini. Oh, la paire de couilles. Frérot, attention, là vraiment. Ouais. Lui il a compris. Oh, ils vont être trauma, les cellules de Muzan, ils vont avoir peur. Oh, la marque. Oh. Il va avoir peur. Wesh, attends, mais quoi tu dis? Oh mon dieu, ça y est, wesh. Allez, 1, 2. Oh gros, la roule dessus. C'est incroyable. Mettre les couleurs gros. C'est un espèce de feu violet rose là. Oh le flow. Le level 1, 2, 3, les 3. Il reste le bleu par contre. Il en a eu 3 tout seul gros là. C'est un malade. Oh. Wesh. Gagna le roi, il l'a eu. Wesh. Non, épisode 5. C'est quoi ces cheveux là? Oh. Mais c'est un démon ou pas alors? C'est trop bizarre. C'est un hybride, c'est quoi ce bordel? Oh, ça m'énerve, putain, mais donnez-moi toute la saison maintenant là. Qui a dit qu'on devait attendre une semaine gros? Bah c'était sûr que Genya il a un bail bizarre de démon un peu je pense. C'est chelou. Il a les dents bizarres machin. Après je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. S'il est hybride, pas hybride, on verra, mais ouais. Il se contrôle ou pas? Un autre corps? Il est trop fort. Mais qu'est-ce qu'il est, il est conscient quand même hein. Il est pas du tout comme ça Tanjiro. Il est trop gentil. Ça sert à rien. J'aime trop ce MC. Oh, aïe aïe. Il est de retour, ça y est. Bien joué frérot. Petite esquive. Sors ton gun. Personne n'a envie de l'attaquer, elle est trop mignonne. Oh là le gun. Allez Tanjiro, oh sa lame elle est trop belle gros. Elle est incandescente un peu. Oh le nez frérot. Il va trouver comme ça. Il est trop chaud. Allez là, c'est lui qui chie dessus, il est encore là. Allez. Il bat de lui. Ressaisis-toi. Mais ils sont 2v5.
Ikazuchi no Oni ni Genya no jama o saseru na. Tanjiro il carré trop, il est ultra focus, il surveille tout. Mats gros, et ça vient de tous les côtés. C'est trop chaud, il y a un mec qui vole, l'autre avec les éclairs, l'autre avec le vent. Oh merde. Aïe 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 aïe, il y a lui en plus maintenant. Tranquille Nezuko, ça va aller. Sekido. Wakatte oru. Sono mama haritsuke ni. Tanjiro il est trop dangereux. Touche pas à la Russe. Putain gros il est cheaté hein. Il est de plus en plus fort hein, vraiment. Hein. Gros Mats c'est flamme. Oh là là. Mais là ça va encore plus vite. Ah, il est en train de glow up Tanjiro. Il devient trop fort. Aïe. Oh oui. Nezuko Kamikaze elle le fait cramer. Ouah. Ah c'est chiant son truc hein. Tanjiro il est trop focus hein. Il pense à Genya et Nezuko en même temps, genre il se bat trop intelligemment, ça se voit hein. Wesh il est tout petit. Mais c'est quoi ce mec wesh, il est pas accroupi, il est minuscule. Il est trop bizarre ce démon. C'est l'une supérieure ça. Oh. Dans la tête. Quoi. Mais il est cheaté. Ça a pété sa lame. Voilà au gun. Shoot lame ça marche pas. Il a fait les deux. Tanjiro quelqu'un. Oh intéressant leur histoire aux deux, je suis curieux de voir. Ore. Ofukuro sagashite kuru. Ah, ore mo iku yo. Ya. Ore ga itte kuru kara, omae wa ie ni ite kure. Il arrivait un truc bizarre à eux, hein. Ils sont tous les deux pleins de cicatrices et tout. Ils ont un côté démoniaque un peu. Aïe aïe aïe. Ça sent pas bon cette histoire. Ça sent la Tanjiro. Oh. Non, c'est devenu un démon sa mère. Aïe 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 aïe. Oh mon dieu frérot, mais c'est violent hein. Oh, ça vient de là sa cicatrice. Oh Sanemi. Mais Sanemi gros c'était un pilier déjà quand il avait 6 ans quoi frérot, il était chaud hein. Oh l'horreur. Ah bah comme Tanjiro hein, toute sa famille. Oh. Sanemi il a tué le démon. Mais c'est quoi ce gamin? Sanemi il est monstrueux. Ah la mère c'est un démon. Il avait insulté à ce moment là, il comprenait pas. Le Seiyu il est trop fort hein. C'est sa mère ouais. La question c'est depuis combien de temps c'était un démon, parce qu'autant c'est des enfants hybrides ou quoi. Parce que je me demande pourquoi eux ils ont un délire de démon, enfin en tout cas Genya qui se transforme un peu en démon, autant ça l'était quand elle a réussi à faire un enfant. Elle a pas de souffle, c'est ça le truc, ok. Ils sont vénères aussi entre eux hein. Tanjiro qui est là. Ça c'est mon gars, ça c'est mon MC ça. Voilà mon gars. C'est trop un roi gros. Pas besoin de s'énerver Tanjiro, c'est le plus déter. Oh le roi gros, mais il fait changer tout le monde de Tanjiro hein. Allez Genya, aide-le. Oh aïe, c'était quoi cette attaque? Oh. Wesh. Il va régénérer. Oh
Il va pas mourir comme ça? Kia. Oh le Tchad gros. J'ai des frissons. Je pense à mon avis il peut se régénérer hein. S'il a juste dit tout à l'heure je peux pas me régénérer si c'est à la tête. Mais là où c'était au corps donc je pense ça va. Hey Tanjiro. Oh là si ça coupe pas frérot. Non, c'est... Mais c'est assassin de faire ça. Assassin les coupes, non. Tu peux pas cuter comme ça. Oh il est violent celui-là hein. Oh putain. Oh le cliffhanger il est violent gros. C'est même pas un cliffhanger, ça cut en plein milieu.